La carte Google Avis. Vous connaissez cette carte? Ce matin, j'étais en train de regarder je sais pas quoi, sur, je crois que c'était sur Instagram, et je vois une pub pour ça. J'ai dit, c'est pas la première fois que je la vois. Et du coup, je me suis dit, putain, mais c'est quand même fou, les mecs, ils arrivent à vendre ça. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Grille. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, on est fabricant de machines à glace à l'italienne. On fabrique la seule machine à glace à l'italienne made in France. On fabrique aussi des turbines. Je suis auteur du livre Le business de la glace, d'accord? Donc un guide complet sur tous les concepts de la glace en France. Donc on va parler de ça. Donc ça, c'est une idée qui est pas con en fait. Hein. Les mecs ils vendent ça, tu arrives, donc tu fais voir ça à ton client dans ta boutique. Le mec il scanne ça avec son téléphone et du coup ben, ça ouvre directement la page pour qu'il puisse mettre des avis. Donc c'est pour comment faire pour récupérer des avis. Donc c'est vrai que par contre je trouve qu'ils vendent ça 20 balles. J'ai trouvé que c'était à la base un peu abusé. Hein. Mais bon, il existe deux méthodes. Il y a le méthode avec le QR code. Comme ça et l'autre avec le NFC, un truc comme ça, vous savez, comme le sans contact, d'accord. Et du coup, ben voilà. Et ça, c'est vrai que c'est pas con, mais ça, franchement, vous pouvez le fabriquer vous-même, d'accord. Vous allez sur le site canva.com, vous tapez dans les apps QR code, il va vous générer un QR code, et après, vous n'avez plus qu'à l'imprimer, et vous mettez ça sur votre caisse en disant voilà, soutenez-nous maintenant. Mettez un avis, voilà, dites-nous comme notre pain est bon, d'accord? Faites gaffe de faire du bon pain parce que sinon, ils vont vous sabrer, hein? Faites attention parce que c'est à double tranchant. Moi, je vois des énergumènes, d'accord? C'est la thérapie, hein, l'état de la thérapie. Le mec, il s'est cogné comme ça. Le mec, il va vite sur Google et il va te mettre une étoile à éviter, diable, d'accord? Donc, il va falloir gérer ça aussi. La psycho, d'accord? C'est vrai que c'est la solution. Maintenant, je veux dire, c'est le remède. Ça va pas, je mets une mauvaise note, d'accord? Je cherche pas à comprendre. L'autre jour, je vous avais dit, j'en avais reçu une, moi, le mec, on avait oublié de mettre ça là, d'accord? Dans la machine. Oh là 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 là. Ok. Il m'a fait un cacamou, hein, d'accord? Donc, du coup, ça, ça peut être bien si vous avez une clientèle qui est locale. Donc, du coup, ça peut faire ça, d'accord? Et l'avantage de ce système-là, c'est que du coup, moi, je pense que la fiche Google My Business, donc il faut d'abord créer cette fiche, hein, cette fiche-là, la fiche Google My Business, et eh ben, c'est bien pour nous, franchement, bon, c'est pas trop le truc qu'on s'en sert parce que du coup, c'est, je veux dire, quand les gens nous cherchent, mais voilà, c'est ça, c'est indispensable si vous êtes un restaurateur. D'accord? Si vous êtes une boulangerie, parce que le mec il est là, il dit tiens, où c'est qu'il y a une boulangerie, j'ai envie, il faut que j'aille chercher du pain. D'accord? Donc automatiquement, il va vous trouver. Par contre, si c'est un business de vente de glace comme ça, à moins que vous fassiez les prestations. D'accord? Si vous faites les prestations, à la rigueur, là vous avez votre page My Business, d'accord? Et là, ça peut être super intéressant parce que les mecs qui cherchent de prestations, Google vous mettra en avant et voilà, ça peut vous ramener des nouveaux clients quoi en fait. Voilà, donc ça, ça s'achète, je crois que ça vaut 20 et quelques balles. Donc, il y a bien sûr, il y en a 29, hein, c'est comme tout, d'accord? Bon, l'imprimante, ça coûte quoi? Imprimer ça, bon moi je l'ai pris en noir et blanc là, parce que c'était pour la vidéo, d'accord, mais voilà, moi je l'ai imprimé, on a une imprimante, nous c'est ce qu'on fait, on sert ça pour faire derrière la machine à glace, on met une espèce de numéro de série, tous ces trucs là, et on sert d'une carte comme ça, mais voilà, donc soit vous l'achetez, soit bah, vous la préparez sur Canva, vous la faites imprimer en carte de visite, là aussi, hein, d'accord, il n'y aura pas le truc électronique, mais à partir du moment que le mec il a un smartphone normal, bon, de toute façon, s'il n'a pas de smartphone, il ne pourra pas le faire non plus dans les deux cas. Il scanne avec son téléphone. Du coup, ça ouvre le lien et ça arrive directement ben, sur le site Google, machin. Donc, il faut que vous arriviez à trouver dans votre fiche, Google My Business, le lien qui est... il va falloir que vous trouviez dans Google My Business, ben, le lien qui... Là, vous envoyez le lien, c'est marqué quelque part, d'accord? Ok. Voilà, bon j'espère que cette vidéo sera utile, n'hésitez pas à partager, ça peut rendre service à quelqu'un. Allez, je ferai encore un petit coup de pub pour mon bouquin, d'accord. Ce bouquin-là, c'est si jamais vous êtes intéressé pour vous lancer dans le business de la glace, c'est ce bouquin-là qu'il vous faut.